Salut, salut et bienvenue sur ma chaîne COS Goodies. Je vais vous montrer rapidement la recette de la sauce viande hachée. C'est parti avec les ingrédients. Maintenant que j'ai bien mélangé tout ça, je vais rajouter un peu de sel. Et enfin un peu d'eau. Je vais donc laisser cuire la viande environ 15 minutes. Vous savez, la viande, quand c'est haché, ce n'est plus difficile à cuire. Donc, je vais laisser cuire la viande environ 15 minutes. Donc, c'est le moment de rajouter les légumes. Je rajoute le piment et tous les légumes que j'ai hachés en dés. Carottes, haricots verts, poivrons, céleri, poireaux. Donc, je vais rajouter tout ça et prendre la peine de bien mélanger le tout. Vous voyez ces couleurs. Voilà, j'aime bien quand c'est coloré ainsi. Donc, une fois qu'on a bien mélangé le tout, on va rajouter un peu d'eau qui va permettre aux légumes de cuire. Voilà. Et à cette étape, je ne couvre plus la marmite. Donc, je vais laisser mijoter. Je vais laisser mes légumes cuire. Je ne couvre pas la marmite. Question de garder, pour les légumes, de garder leur couleur. Voilà. Lorsque les légumes sont à mi-cuisson, je vais enfin rajouter les épices que j'ai écrasées préalablement. Si vous consommez du cube, c'est le moment d'en rajouter. Sinon, ce n'est pas grave. Le repas sera tout aussi délicieux, je vous le promets. À cette étape, nous sommes en fin de cuisson, donc je vais rajouter un tout petit peu d'eau, question de permettre aux épices de bien prendre, de bien s'incorporer, de bien épouser la viande et les autres ingrédients qui sont déjà là. Et ensuite, je vais juste laisser mon eau sécher. Une fois que c'est fait, c'est prêt. Voilà. Admirez vous-même le visuel. Regardez comment c'est coloré. Les légumes ont gardé leur couleur et je vous assure que cette recette, cette sauce, c'est la complémentarité du beau et du bon. Je vous suggère d'essayer cette recette, de me laisser un commentaire et si la recette vous a plu, merci de liker, de partager et surtout abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Merci pour votre soutien. On se dit à très bientôt pour une nouvelle recette. Ciao, bye bye.